tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un petit paletot au tricot pour bébé. Donc, je vous le propose de la taille 1-3 mois au 24 mois. Pour réaliser donc ce petit paletot, j'ai choisi de prendre le fil Baba de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, c'est la première fois que je vais tricoter avec ce fil. Mais déjà au toucher, ça a l'air très très doux. Donc je pense que le petit paletot sera vraiment super une fois terminé. Donc c'est du fil qui se tricote en 6-7 mm. Donc bien sûr, vous prenez la couleur et la marque de fil que vous désirez du moment que ça se tricote en 6-7 mm. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 7 mm. Donc moi j'ai pris des aiguilles droites pour vous montrer qu'on peut très bien tricoter en top-down sur des aiguilles droites. Donc prendre quand même des aiguilles assez longues pour pouvoir y stocker toutes nos mailles. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le faire sur vos aiguilles circulaires. Ensuite, il vous faudra deux arrêts de mailles pour pouvoir mettre en attente nos mailles des manches. Donc si vous n'en avez pas, donc moi c'est comme des grandes épingle à nourrice. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les passer sur un fil ou alors si vous avez des câbles d'aiguilles circulaires en plus, vous pouvez très bien aussi les mettre sur des câbles. Il vous faudra également quatre petits marqueurs. Donc moi, c'est des petits marqueurs fantaisie que j'ai acheté sur AliExpress. Donc vous pouvez prendre des marqueurs tout simples, hein, et si vous n'en avez pas, vous prenez du fil avec d'une autre couleur que votre modèle pour bien repérer. Il vous faudra une aiguille pour la couture, bien sûr une petite paire de ciseaux, un mètre ruban et il vous faudra également donc pour toutes les tailles 5 jolis boutons. Donc prévoir quand même des boutons assez gros car comme on tricote avec du fil assez épais, les trous seront quand même assez gros. Donc faut quand même des boutons adaptés à la boutonnière. Pour la démonstration de la vidéo, moi je vais le réaliser en taille 12-18 mois. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de votre écran comme d'habitude. Je vous mettrai dans la description juste en dessous de la vidéo les dimensions en centimètres du petit paletot si vous souhaitez le réaliser dans un autre fil plus fin ou plus épais. Comme ça, vous ferez votre échantillon et vous pouvez le réaliser dans n'importe quelle taille de fil et d'aiguille. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo mon échantillon et aussi le nombre de centimètres pour faire à chaque fois votre boutonnière, selon les tailles bien sûr. Donc c'est parti, on prend nos aiguilles et notre fil et nous allons monter le nombre de mailles qui correspond à la taille que vous souhaitez réaliser. Donc moi pour la taille 12-18 mois, je dois monter 38 mailles qui correspond au col de notre petit paletot. Donc je prends assez de marge et je vais monter mes 38 mailles. Une, deux, neuf. Mes 38 mailles sont montées. Mon premier rang, je vais le faire en piquant dans le brin arrière, mais vous pouvez tricoter à l'endroit normalement. Si vous ne serrez pas trop vos mailles au montage, ça devrait pouvoir se faire. Moi, c'est ma petite technique pour celles et ceux qui ont tendance à trop serrer vos mailles au montage. Vous pouvez faire votre tout premier rang en piquant dans le brin arrière. Et comme ça, après, on peut mieux travailler notre ouvrage. Voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, on va tricoter au point mousse. Donc, c'est toutes les mailles
tous les rangs toujours à l'endroit. Il y a comme ça, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est super facile. Donc là, je vais tricoter au point mousse pendant environ 2 cm. Donc voilà mes 2 cm de réalisé. Donc 2 cm, c'est pour toutes les tailles. Voilà. Maintenant, on va venir placer nos petits marqueurs pour faire nos repères au niveau des manches. Et c'est grâce à ces repères aussi qu'on pourra faire nos augmentations pour le raglan de notre petit paletot. Donc pour placer ces marqueurs, donc moi je fais taille 12-18 mois, je rappelle. Pour les autres tailles, tout sera indiqué. Donc pour commencer, nous devons tricoter. Donc moi ici, je dois tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je place un marqueur. Je dois tricoter maintenant 5 mailles qui va correspondre à la manche. Donc 5 mailles pour la manche, c'est pour toutes les tailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Je place un marqueur. Maintenant, je dois tricoter la partie dos. Donc moi ici, le dos, c'est 12 mailles. Donc je tricote 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je place un marqueur. Je tricote 5 mailles pour ma seconde manche. Pour toutes les tailles, c'est 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je place mon dernier marqueur et maintenant je tricote mes 8 mailles restantes. Donc je compte en même temps pour être sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc comme vous l'aurez compris, une fois donc bien placé, là vous avez votre premier devant. Ici une manche, le dos, une manche et le second devant. Le rang suivant, on va le tricoter tout à l'endroit. C'est l'envers de l'ouvrage. On tricote tout à l'endroit. En faisant bien attention que quand nous sommes arrivés à nos marqueurs, de les glisser. Là, j'ai mon marqueur. Je le glisse bien. J'arrive à mon marqueur, je le glisse bien pour toujours garder le repère. J'ai terminé mon rang. Ici, nous allons commencer à faire les augmentations pour les manches à raglan et en même temps, on va venir ouvrir notre première boutonnière. Donc, comme c'est un petit paletot, donc c'est comme un manteau. Il n'y a pas besoin de faire une boutonnière ici juste en haut. Faut quand même laisser un petit peu d'aisance au niveau du cou. Donc pour faire notre boutonnière, donc pour toutes les tailles, hein, c'est de la même façon. Vous allez tricoter une maille. Ensuite, vous allez tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté qui va former le trou. Et ensuite, vous tricotez les autres, la maille suivante à l'endroit normalement. Et maintenant, on va tricoter jusqu'à temps qu'il reste une maille devant notre marqueur. Donc là, j'ai bien une maille devant mon marqueur. Je vais venir faire une augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent juste ici et je le tricote. Je tricote la maille
juste devant le marqueur. Je glisse le marqueur, je tricote une maille et je viens refaire une augmentation. Donc je récupère le petit fil et je le tricote. Donc ça, c'est pour toutes les tailles, les augmentations se font de la même façon. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à, j'arrive à une maille devant le second marqueur. Donc là, j'ai bien une maille devant le marqueur. Je fais mon augmentation. Je tricote la maille. Je passe mon marqueur. Je tricote une maille. Et je fais mon augmentation. Maintenant, je tricote toutes les mailles jusqu'à temps que j'arrive à une maille devant le marqueur. Voilà, il me reste bien une maille devant mon marqueur. Je fais mon augmentation. Je tricote la maille devant le marqueur, pardon. Je passe mon marqueur. Je tricote une maille et je fais mon augmentation. Je tricote jusqu'à une maille devant le marqueur. J'ai bien une maille juste devant. Je fais mon augmentation. Je tricote ma maille, je passe mon marqueur, je tricote une maille, je fais ma dernière augmentation et je tricote le restant à l'endroit normalement. Et nous avons fait ensemble un premier rang d'augmentation. Le rang suivant qui est sur l'envers. On tricote tout à l'endroit, normalement, sans augmentation. On fait bien attention de glisser toujours nos marqueurs. Je vais terminer mon rang avec vous pour vous monter au niveau du jeté pour la boutonnière. Donc je tricote bien comme ceci parce que si on la prend par derrière, le trou ne va pas se former. Donc on pique bien dans ce sens et on la tricote. Et j'ai terminé mon rang. Et là je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Et maintenant, on va répéter comme ça ces augmentations, donc comme on vient de faire, exactement de la même façon. Donc, les augmentations se font uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère avec le petit fil de montage. Quand il se trouve sur votre droite, vous êtes bien sûr l'endroit de l'ouvrage. Et nous allons faire ça le nombre de fois nécessaire selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi ici, pour la taille 12-18 mois, je dois faire au total 13 augmentations. Donc là, j'ai fait une première augmentation avec vous. Je dois faire encore 12 rangs d'augmentation. Donc là, je vais refaire un rang d'augmentation. Ensuite, un rang tout à l'endroit normalement, un rang d'augmentation, etc. Chaque rang d'augmentation, on augmente de 8 mailles. Car on fait bien une augmentation avant et après chaque marqueur. Donc, chaque rang, on augmente de 8 mailles. Et pour les autres tailles, donc tout est indiqué juste ici. Hein, tout le monde augmente de 8 mailles, mais moi je dois augmenter pendant 13 fois. Donc je vais continuer mes augmentations pour les manches raglan. Et on se retrouve pour la suite. Avant de poursuivre, j'ai oublié aussi de vous dire de bien faire attention d'ouvrir vos boutonnières au bon nombre de centimètres. Donc tout est indiqué juste dans la description de la vidéo.
Voilà, mes augmentations terminées. Donc, toutes mes mailles sont bien passées sur mon aiguille. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que vous, tout peut passer également. Donc, normalement, vous devriez avoir au total sur vos aiguilles. Donc, moi, pour la taille 12-18 mois, 142 mailles. Je les ai comptées et le compte est bon. Donc, pour vous, tout sera indiqué en haut à gauche. Maintenant, nous allons venir séparer les manches du corps de notre petit paletot. Pour ce faire, on va prendre nos arrêts de mailles ou votre fil ou tout ce que vous avez pour pouvoir le faire. Et vous allez voir, c'est toujours très simple. Je rappelle également que j'ai bien ouvert ici, voyez, mes petites boutonnières. Donc pour commencer, vous allez venir tricoter toutes les mailles jusqu'à votre premier marqueur. Donc je vous rappelle également juste ici le nombre de mailles que normalement vous devriez avoir pour donc la première partie ici que l'on est en train de tricoter. Donc moi 21 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ensuite, arrivé à votre marqueur, vous enlevez votre marqueur ici. Vous prenez votre arrêt de maille et vous allez glisser dessus toutes les mailles de la manche. Donc moi ici pour la taille 12-18 mois, j'ai 31 mailles. Donc je vais glisser les 31 mailles ici. Tout simplement, je les récupère. Jusqu'au prochain marqueur. Fais bien attention de ne pas en perdre en route. Voilà, mes 21 mailles de la manche. 31, pardon, de la manche. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, donc je les répartis bien sur mon arrêt de maille, hop, pour pas que ça me gêne trop. Avant de venir tricoter la partie dos, on va venir rajouter 4 mailles. Donc 4 mailles, c'est pour toutes les tailles. Tout le monde doit rajouter 4 mailles. Pour rajouter 4 mailles, vous prenez avec le fil relié à la pelote, vous faites un tour autour de votre doigt et vous venez piquer avec votre aiguille. Comme ceci. Une, deux, trois et quatre. Une fois que vous avez fait ceci, donc là on peut enlever notre marqueur. On va venir tricoter nos mailles qui correspondent au dos. Donc, je n'hésite pas à serrer un petit peu ici. Voilà. C'est parti. Je tricote toutes les mailles de mon dos. Donc, moi ici, pour le dos, j'ai 38 mailles. Donc c'est très simple, hein. On va jusqu'à notre prochain marqueur ici.
Voilà, je suis arrivée à mon marqueur. Je le retire. Je prends ma seconde arrêt de maille et je viens récupérer. Donc pour moi, c'est 31 mailles de la manche. Une, hop, je ferme mon arrêt de maille. Maintenant, j'enlève mon dernier marqueur ici. Je vais ajouter mes 4 mailles de dessous la manche comme on a fait pour la première. Donc avec mon doigt comme ça, hop. Une, deux, trois. 4 pour toutes les tailles et ensuite vous allez tricoter les mailles restantes. Donc moi il doit me rester 21 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le compte est bon. Maintenant, vous devez vous retrouver donc sur vos aiguilles avec, donc moi pour la taille 12-18 mois, j'ai 88 mailles. Je vais le faire avec vous, comme ça je vais vous montrer comment on tricote les mailles que nous avons ajoutées en dessous de la manche. Donc déjà je vais tricoter mon premier côté. Donc là, j'ai mes 4 mailles ajoutées. On les tricote à l'endroit normalement. On fait attention de ne pas les perdre, surtout ne pas les perdre. Et on va tout doucement. Une. On n'écarte pas trop les aiguilles entre elles pour pas avoir un grand fil qui se forme entre deux. Donc on va tout doucement et on tricote bien nos 4 mailles. Et ensuite, on reprend normalement. Et on fait la même chose pour les 4 autres mailles que l'on a ajoutées de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé mon rang. Je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc on peut voir ici donc mes manches hein, mises en attente. Vous voyez, juste ici. Hop. Donc vous pouvez essayer de bien placer, vous voyez, on voit bien ici les épaules avec les manches. Hein. Donc là ici c'est le col. Et là vous avez un côté et l'autre côté. Donc vous voyez qu'on peut très bien le faire sur des aiguilles droites sans souci. Donc maintenant vous allez continuer de tricoter sur toutes les mailles. Donc moi mes 88 mailles. Jusqu'à temps que j'ai environ, je dis bien environ parce que vous pouvez rajouter quelques centimètres en plus si vous voulez un gilet un petit peu plus long. Donc moi, pour la taille 12-18 mois, je vais tricoter environ 33 centimètres de hauteur totale. Donc je mesure bien à partir du haut du col. Donc je vais continuer toujours au point mousse, donc toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. On fait attention également de bien ouvrir nos boutonnières à intervalles réguliers. Et puis on se retrouve donc pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes 33 cm de hauteur totale.
Donc, j'avais dit au début de la vidéo de faire 5 boutonnières, mais pour la plus grande taille, j'en ai fait une de plus. Donc, de toute façon, je vous note tout dans la description de la vidéo parce que je trouvais que ça faisait peut-être un petit peu trop éloigné entre chaque boutonnière. Donc, pour les deux plus grandes tailles, prévoir plutôt 6 boutons au lieu de 5. Ça sera quand même un peu mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez bien réalisé la longueur souhaitée selon la taille que vous êtes en train de tricoter, on va simplement venir rabattre toutes les mailles. Donc, pour rabattre les mailles, hein, c'est très facile. Vous tricotez 2 mailles. Vous prenez la première, vous la passez par-dessus la seconde. Vous retricotez 1 maille. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on fait une boucle. On coupe le fil qui dépasse. Donc là, on n'en a pas besoin pour faire de couture, donc on peut couper court. Et on passe dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé la partie corps de notre petit paletot. Donc là, vous pouvez le mettre en forme pour voir si tout correspond. Donc on peut déjà voir la forme. Vous voyez, c'est super joli. Franchement, la laine, j'adore. Je ne regrette absolument pas d'avoir pris cette laine. Maintenant, nous allons passer aux manches. Donc pour les manches, vous prenez toujours vos aiguilles numéro 7 et on va relever les mailles. Alors cette fois-ci, il faut faire attention de bien les relever dans le bon sens pour pouvoir après tricoter notre manche. Donc vous avez là la partie du devant de votre gilet. Vous voyez? Donc les mailles, elles se présentent comme ceci. Je vais les relever dans ce sens. Donc j'ouvre mon arrêt de maille et je récupère mes petites mailles une à une dans ce sens pour pouvoir après continuer notre point mousse normalement. Voilà, j'ai récupéré toutes mes mailles, donc ça fait un peu serré, c'est normal, hein, parce que comme ici, tout est déjà attaché, forcément, ça fait un petit peu serré. Ensuite, vous allez rattacher votre pelote. Et en même temps, on va venir monter 2 mailles d'un côté et 2 mailles de l'autre pour rattraper les 4 mailles que nous avons ajoutées juste ici. Donc, pour commencer, je rajoute mes 2 mailles, donc toujours le même principe autour de votre doigt, une et deux. Vous tenez bien le petit fil ici de la pelote avec votre doigt derrière pour pas que ça bouge. Et on va tricoter à l'endroit comme nous sommes au point mousse. Donc une, deux, mes 2 mailles montées et maintenant je passe à mes mailles qui se trouvent sur mon aiguille. Donc c'est pour ça que je disais de bien faire attention de reprendre les mailles dans le bon sens pour pouvoir vraiment continuer le point mousse. Sinon, si vous vous trouvez sur un rang en vert, vous allez vous retrouver avec du jersey et ça sera pas joli. Donc surtout bien faire attention. Donc là, je vais tricoter
toutes mes mailles. Hop. Décidément. Voilà. Maintenant, je vais ajouter mes deux mailles restantes. Comme pour là, on a fait deux mailles ici, on va rajouter deux mailles ici. Toujours de la même façon, avec votre doigt. Une, deux. Et maintenant, je les tricote à l'endroit. Toujours. Et voilà, je tricote à l'endroit sur toutes mes mailles. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage et je vais continuer comme ça au point mousse sur toutes mes mailles. Étant donné que ce petit paletot, c'est un peu comme un manteau, on n'a pas besoin de faire des diminutions et de resserrer au niveau des manches. C'est bien d'avoir un peu d'aisance si vous souhaitez mettre un petit pull ou autre en dessous. Donc c'est pour ça que l'on tricote tout droit. Donc pour moi la taille 12-18 mois, j'ai bien mes 35 mailles sur mon aiguille. Donc, vous, tout est indiqué en haut à gauche de l'écran. Et vous allez tricoter comme ça, tout droit, jusqu'à avoir environ, donc moi, pour la taille 12-18 mois, 24 cm de manche que l'on mesure à partir du dessous de la manche. Donc, à partir de ce moment ici, vous pouvez placer un petit repère si vous le souhaitez. Mettre un petit peu un petit marqueur comme ça vous savez qu'il faudra mesurer à partir d'ici et donc moi je pendant 24 cm au total donc je vais continuer ma manche et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai tricoté mes 24 cm d'emmanchure donc d'ici jusqu'à l'aiguille j'ai bien mes 24 cm pour la taille que je suis en train de réaliser. Maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles, comme pour le bas de notre petit gilet. Donc, pour rabattre les mailles, hein, c'est très facile. Vous tricotez deux mailles. Vous prenez la première, vous la passez par-dessus la seconde. Vous retricotez une maille. Vous prenez la première, vous passez par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille, comme tout à l'heure, on fait une boucle. Cette fois-ci, on prend un peu de marge qui va nous servir pour la couture de notre manche. Hop. Et on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé notre première manche. On peut mettre en forme pour voir ce que l'on obtient. Donc là, vous avez la manche ici. Donc, on viendra faire la couture tout à l'heure. Là, vous avez le premier devant. Voilà. Le second devant. Et maintenant, on va faire, bien sûr, la manche de l'autre côté. Pour faire la manche de l'autre côté, donc c'est exactement pareil que pour la première, on fait attention de relever les mailles dans le bon sens pour pouvoir vraiment tricoter notre manche. Au point mou, c'est pour pas avoir une démarcation si on est sur le rang envers, par exemple.
Donc, vous allez ouvrir votre arrêt de maille ou simplement récupérer votre fil hein, et on va récupérer les mailles de la même façon. Hop, et je les récupère tous une à une. Voilà. Donc, une fois toutes les mailles récupérées, vous allez augmenter de 2 mailles. Donc, vous ajoutez 2 mailles. Vous tricotez tout votre rang. Vous ajoutez les 2 mailles de l'autre côté. Et ensuite, c'est parti pour faire au point mousse tout droit pendant les centimètres nécessaires. Donc, moi, pour la taille 12, 18 mois, 24 cm. Donc, je remets tout juste ici. Et ensuite, vous rabattez la manche comme pour la première. Et on aura terminé donc la seconde manche. Donc je vais faire tout ça. Et ensuite, on passera à la capuche de notre petit paletot. J'ai terminé ma seconde manche. Elle est juste ici. Donc j'ai pas encore fait la couture. Mais j'ai déjà fait la couture de la première manche ici. Ça, on peut voir. Oui, c'est très doux. Donc la couture pratiquement invisible. Quand c'est du point mousse, c'est vraiment très facile à coudre. Et l'intérieur, vous voyez, il y a juste un tout petit trait. On voit peut-être pas bien la caméra. Juste un petit trait ici de fil. Et ça ne fait pas une grosse bordure comme des moments on peut avoir quand on fait la couture du jersey, par exemple. Donc la manche peut paraître un peu large. Mais comme c'est un petit paletot et comme je le répète, on met forcément un autre vêtement en dessous, il vaut mieux que ce soit quand même un peu plus ample que trop serré. Donc avant de faire la capuche, je vais simplement vous montrer comment faire la couture donc de la manche. Je vais faire la seconde avec vous. Vous prenez une aiguille à coudre. Vous récupérez le petit fil qui se trouve au bord de la manche quand nous avons rabattu nos mailles. Moi, la couture, je le fais sur l'endroit. Et on va coudre comme ça jusqu'à ici quand on a rajouté notre petit fil. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Déjà, on raccorde en piquant dans la bosse tout en haut au bord d'un côté. Et je vais repiquer dans la bosse. Ici tout en haut de l'autre côté. Déjà pour fermer la manche. Maintenant la couture, ben, ça va être exactement la même chose. Voyez quand on est en point mousse, il y a des petites bosses juste au bord des rangs, juste ici. Donc vous piquez à l'intérieur d'un côté et vous piquez dans la bosse de l'autre côté. Ensuite on descend donc d'un rang. Et on fait la petite bosse juste en dessous, d'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et vous allez faire ça jusqu'au petit fil ici que nous avions rajouté. Vous voyez, c'est vraiment très très facile à coudre. Le point mousse. On n'hésite pas de tirer ici pour bien mettre le fil. On peut avoir la bonne tension pour pas que la couture soit trop lâche ou trop serrée. Je continue jusqu'au petit fil et ensuite je vous montre comment faire la couture juste ici en dessous de la manche. Donc voilà, ma manche est cousue. Je suis bien arrivée ici au niveau de l'aisselle. Donc pour coudre ici, on va coudre dans ce sens, voyez, comme ça. Et pour coudre dans ce sens, déjà là mon fil, il est au milieu, il n'est pas sur un côté.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je le passe sur quelques mailles, comme ça ici. Donc vous passez en dessus, en dessous, au dessus, en dessous. De toute façon, il ne se verra pas. Pour arriver à une extrémité. Voilà. Maintenant que je suis arrivée à l'extrémité, on va venir coudre en piquant dans les mailles, mais dans ce sens. Voyez, on pique comme ceci. J'ai deux fils croisés qui passent au-dessus. Et je tire. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc vous piquez. Et vous tirez le fil. Et on serre tout doucement. On vient piquer de l'autre côté. Donc vous pouvez écarter un petit peu les mailles si vous ne voyez pas. Hop. Après, même si vous ne piquez pas exactement au bon endroit, c'est pas gênant, c'est en dessous, donc ça ne se verra pas. Mais on essaye toujours de faire quand même une couture jolie. Une fois ici la couture faite, donc vous piquez au bord, vous passez votre fil à l'intérieur pour pouvoir venir les camoufler à l'intérieur de notre gilet. Arrivé là, vous allez piquer juste au bord et on va faire un nœud. C'est-à-dire on fait deux tours autour de l'aiguille et on tire. Hop, pour faire un nœud. Et ensuite, on repasse le fil dans les petites mailles. Donc, vous pouvez repasser ici dans la couture que vous avez faite. Vous pouvez le passer ici le long. Vous passez vraiment le fil où vous pouvez pour vraiment le camoufler. Donc là, ici, je vois qu'il y a un petit trou. J'ai du mal à piquer ma maille. Donc, ce que je vais faire, je vais pas tout découdre. Je vais juste glisser mon fil et je vais faire un petit point. Vous voyez, hop. Pour camoufler le trou que j'ai mal piqué. Donc ça c'est une petite astuce, hein. On n'aura pas besoin de tout découdre juste pour un léger petit trou. En plus comme c'est en dessous de la manche, vraiment ça ne se voit pas. Donc maintenant vous allez camoufler votre petit fil comme je disais, un peu où vous le souhaitez. Donc j'avoue que la couture ce n'est pas non plus trop mon fort, donc j'essaye de faire toujours au mieux, mais c'est pas forcément très nickel nickel. Donc là je vais simplement nouer les deux fils ensemble, hop, comme ça moi je sais que ça ne bouge pas, et je vais continuer à le camoufler. Donc là par exemple je vais le passer dans la couture de la manche ici, vous voyez, je passe mon fil. Ensuite, vous coupez le petit fil qui dépasse. Vous faites pareil avec l'autre fil. Et puis, vous faites exactement la même chose. Donc, vous camouflez aussi les petits fils de montage quand on a rabattu en bas de notre gilet, etc. pour vraiment avoir un travail propre. Donc, je continue à rentrer tous mes petits fils. Et ensuite, on fera ensemble la capuche. Voilà, j'ai fini donc de faire toutes mes coutures. J'ai rentré tous mes fils et j'ai même déjà cousu mes petits boutons. Et c'est vraiment super mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Même comme ça, le petit manteau est vraiment très joli. Mais comme c'est quand même pour l'hiver, on va venir quand même ajouter une petite capuche. Donc pour la capuche, vous avez le choix de deux possibilités. Soit vous relevez les mailles ici de votre encolure.
et vous tricotez directement votre capuche, ou alors vous faites comme moi. Donc moi je préfère monter la capuche à côté et ensuite venir la coudre sur mon petit gilet. Donc c'est vraiment comme vous préférez. Moi je préfère le monter à part parce que j'ai l'impression que quand je relève les mailles ici, à chaque fois ça fait peut-être un peu étroit. Donc en montant les mailles à part et en faisant une jolie petite couture, je trouve le rendu un peu plus joli. Donc, pour faire notre capuche, vous reprenez vos aiguilles 7 mm. Vous aurez également besoin d'un marqueur de maille pour faire les augmentations. Et bien sûr, vous prenez toujours le même fil. Et pour commencer, nous allons prendre de la marge ici, même prendre un peu plus, qui va nous servir, pardon, pour faire la couture justement de la capuche sur le gilet. Et nous allons monter, donc moi pour la taille 12-18 mois, je vais monter 38 mailles. Donc pour les autres tailles, tout est indiqué juste ici. Donc pour celles qui relèvent les mailles autour de l'encolure, vous devez avoir normalement le même nombre de mailles. Donc c'est parti, je monte mes 38 mailles. Voilà, mes 38 mailles sont montées. Je vais faire un rang, donc moi en piquant dans le brin arrière, mais vous pouvez tricoter à l'endroit normalement. Et le rang suivant, je ferai un rang tout à l'endroit, car comme nous sommes au point mousse, c'est toutes les mailles sur tous les rangs à l'endroit. Il y a uniquement mon premier rang où je pique dans le brin arrière pour m'aider. Donc vous allez faire comme ça, deux rangs de point mousse. Voilà, j'ai fait mes deux rangs de point mousse. Je suis de retour sur l'endroit de l'ouvrage. On se repère au petit fil de montage. Et maintenant, nous allons venir placer notre marqueur au centre. Donc moi, comme j'ai 38 mailles, je vais tricoter 19 mailles. Je vais placer mon marqueur et je vais tricoter les 19 mailles suivantes. Donc pour vous, selon la taille que vous êtes en train de réaliser, tout est indiqué juste ici. Donc c'est parti, je tricote 19 mailles. 19, pardon, j'étais lancée. Je vais placer mon marqueur et je vais tricoter les 19 mailles suivantes. J'ai terminé mon rang, le rang suivant, je le tricote tout à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang, je suis bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Maintenant, nous allons faire des augmentations donc de chaque côté de notre marqueur, comme pour les manches raglan que nous avons fait tout à l'heure. Vous allez voir, c'est toujours très facile. On va tricoter toutes les mailles jusqu'à temps qu'il reste une maille devant le marqueur. Voilà, donc il me reste bien une maille devant le marqueur. Je vais faire mon augmentation. Je tricote la maille devant le marqueur. Je glisse
mon marqueur sur mon autre aiguille. Je tricote une maille et je fais mon augmentation. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Et le reste, je tricote tout à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang en vert, vous allez le tricoter tout à l'endroit sans augmentation. Voilà. Donc, comme je viens de dire, le rang suivant, je suis sur l'envers, je tricote tout droit sans augmentation. Après que je suis de retour sur l'endroit, je vais refaire un rang d'augmentation et vous allez répéter ceci, donc jusqu'à temps que vous avez effectué le nombre de fois nécessaire selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi, comme je suis en taille 12-18 mois, je dois faire 7 fois mes augmentations. Donc là, j'ai fait une première fois avec vous. Je vais faire encore 6 fois mes augmentations. Voilà, j'ai terminé mes augmentations. Donc, on a bien fait ici au centre. C'est pour avoir le petit côté bombé derrière la tête. Maintenant, donc, vous devriez avoir, après avoir fait toutes vos augmentations, moi pour la taille 12-18 mois, 52 mailles. J'ai compté, j'ai bien mes 52 mailles. Maintenant, vous allez tricoter tout droit, toujours au point mousse, jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres. Donc, moi ici pour la taille 12-18 mois, je dois avoir 25 centimètres de hauteur totale. Donc, je vais continuer et une fois arrivé à mes 25 cm de hauteur totale, je vais vous montrer pour faire la couture en haut de la capuche pour pouvoir la fermer. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à la coudre sur notre gilet. Voilà, j'ai fait mes 25 cm de hauteur pour ma capuche. Maintenant, pour fermer le haut, on va commencer par tricoter la moitié de nos mailles. Donc, si vous avez laissé votre marqueur, tant mieux, vous tricotez jusqu'à votre marqueur. Moi, ici, je l'ai enlevé, mais comme j'ai 52 mailles, divisé par 2, ça fait 26. Donc, je vais tricoter 26 mailles. On est toujours à l'endroit. Treize, quatorze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq et vingt-six. Et normalement, j'ai bien 26 mailles de l'autre côté. Maintenant, on va tout simplement plier en deux comme ceci. Et on va venir faire notre couture. Comme ça, on va fermer le haut de notre capuche sans démarcation. Donc, pour faire ça, vous allez couper le fil relié à la pelote. Donc, vous prévoyez un petit peu de marge. Donc, au moins 4 longueurs d'aiguille, je dirais. Vaut mieux en avoir vraiment trop que pas assez. Vous coupez donc le fil. Vous prenez une aiguille à coudre. Et on va récupérer simplement toutes les mailles. Une à une. Donc là, je suis reliée juste ici. On va les ramener juste au bord pour que ce soit plus simple. Et on fait attention surtout de ne pas les perdre. Donc je récupère une maille sur le devant, une maille sur le derrière. Et vous pouvez tirer le fil. Une maille devant, une maille derrière. Une maille devant, une maille derrière. Vous voyez, ça va fermer notre capuche vraiment. Ça va faire quelque chose de très propre, très net. Donc, une maille devant,
une maille derrière. Une devant, une derrière. Fais surtout bien attention de ne pas les perdre. Je vous montre une dernière fois et ensuite je vous laisse faire sur toutes vos mailles. Donc je récupère une maille de l'aiguille de devant, une maille de l'aiguille de derrière. Une fois que vous avez ceci, donc vous tirez légèrement pour resserrer, mais pas trop. Vous voyez, il faut quand même que ce soit assez droit. Et vous allez simplement venir faire un nœud. Ici, on pique dans les mailles. On fait deux tours de l'aiguille et on serre. Ensuite, vous repassez votre fil dans quelques mailles, donc comme ceci, vous les passez, hop, dans le point mousse pour camoufler le petit fil, donc sur quelques centimètres. Voilà, j'ai passé de ce sens et pour quand même que ce soit bien tenu, je vais le repasser quelques centimètres et je repars dans l'autre sens. Et voilà, je pense que ça ne va plus bouger. Je peux couper le bout qui dépasse. Donc là, c'est l'intérieur de la capuche. Pour avoir le bon côté, il suffit simplement de la retourner. Vous voyez là ici le haut de la capuche. Et quand nous allons la coudre, on va obtenir ceci. Voilà, donc maintenant, il nous reste plus qu'à la coudre sur notre gilet. Donc pour coudre la capuche, donc moi je vais la mettre sur l'envers, comme ceci. Donc j'ouvre ici ma boutonnière et je vais venir coudre par l'intérieur. Donc vous voyez comme ça, on voit les petits ponts. Et bien je vais simplement venir récupérer chaque petit pont. Donc je couds juste ici au bord. Et ensuite, je viens récupérer, donc pas juste ici, mais là plutôt, vous voyez, ça fait des petits traits. Je viens piquer dans le trait juste à côté, donc dans la seconde maille. Je pique dans la maille ici. Je viens piquer dans la maille suivante ici. Je pique ici dans la maille. D'un côté et de l'autre. D'un côté et de l'autre. Et je vais faire ça tout le tour. Comme nous avons monté le même nombre de mailles que pour notre encolure, normalement, toutes les mailles devraient correspondre. Donc pour celles qui sont venues récupérer les mailles directement, donc il n'y a pas de souci, vous avez terminé votre petit paletot. Vous voyez, à l'intérieur, c'est très net et à l'extérieur également. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de délimitation. C'est vraiment très propre. Voilà, donc je continue à faire ma petite couture. Et puis ensuite, je pense que l'on aura terminé notre petit pâteau. Donc voilà, j'ai fini ma couture.
Donc là, j'ai fait un petit nœud et j'ai repassé dans la couture. Maintenant, vous pouvez remettre votre capuche dans le bon sens. Et on peut refermer notre petit paletot. On met bien en forme la capuche. Et voilà, on a terminé notre petit manteau d'hiver. On peut appeler ça aussi un petit manteau d'hiver parce qu'avec le fil bien épais comme ça, c'est vraiment très agréable. Donc, comme il me reste un petit peu de fil de ma troisième pelote, comme je pourrais pas faire grand-chose avec, je me suis dit pourquoi pas rajouter deux jolies petites poches plaquées ici sur le devant. Ça peut faire super joli. Donc, à la suite, ici, vous aurez le petit bonus pour pouvoir faire les deux petites poches. Mais ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien arrêter, le petit paletot à ce moment de la vidéo. Donc pour les petites poches ici, donc j'ai fait des carrés tout simplement. J'ai monté 10 mailles. Ensuite, j'ai tricoté au point mousse pendant 20 rangs, ce qui fait 10 barres de mousse. Et ensuite, j'ai rabattu les mailles tout simplement. J'ai gardé assez de longueur de fil pour pouvoir les coudre sur mon gilet. Donc comme ça, je vais en coudre juste une juste ici et la seconde à peu près à la même distance. De l'autre côté, tout simplement. Donc, je vais déjà en coudre une et la seconde, on va la coudre ensemble. Donc voilà, j'en ai déjà cousu une ici. Vous voyez, on essaye toujours de faire quelque chose de régulier et surtout de très propre. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, j'avoue que la couleur, on ne voit pas trop bien les mailles et tout à la caméra, mais je vais essayer de faire au mieux. Donc déjà, on va la positionner de sorte à ce que elle soit vraiment égale à l'autre. Donc je repère ma petite ligne ici. Vous voyez, j'ai commencé à coudre à partir de là. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je viens de l'autre côté et je vais à mon 14e barre de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je sais qu'il faut la coudre à partir de cette barre de point mousse. Ensuite, je compte environ de ce côté-là le nombre de mailles. Donc tout, par exemple, pour compter les mailles, on compte toutes les bosses vers le haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je regarde ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, voilà. Je dois positionner ma manche juste, ma manche, ma poche juste ici pour qu'elle soit bien égale à l'autre. Maintenant, je prends mon aiguille à coudre et vous allez voir, c'est vraiment très facile. Comme c'est du point mousse, on a juste à piquer dans les petites bosses. Donc, par exemple, ici, juste à côté, je vois qu'il y a des petits ponts. Donc, je vais piquer dans le petit pont, par exemple, qui se trouve vers le haut. Donc, je sais qu'on ne voit peut-être pas forcément bien à la caméra. Donc, vous voyez ici, ça fait une bosse vers le haut, une bosse vers le bas, une bosse vers le haut, une bosse vers le bas. Donc, je pique uniquement dans la bosse vers le haut. Donc, je repositionne surtout bien ma poche. Je vais piquer donc dans la bosse qui se trouve vers le haut. Donc, si je pique dans les bosses qui se trouvent vers le haut, tout le long, je vais piquer dans la même bosse. Ensuite, arrivé ici, je vais piquer dans la bosse qui se trouve vers le haut, mais cette fois-ci, dans la partie ici de la poche. Je vais dans la barre de mousse juste en dessous et je repique dans la bosse qui se trouve vers le haut juste en dessous. Vous voyez, c'est vraiment très droit. On pique dans la bosse juste en dessous. Je pique dans la bosse qui se trouve vers le haut dans la partie de la poche. Je fais ça dans la partie du gilet, la bosse toujours vers le haut du rang juste en dessous. Dans la partie poche. Dans la partie gilet. Toujours on pique selon notre barre de point mousse. On pique soit dans la bosse vers le haut, soit dans la bosse vers le bas. Hop. Et vous allez voir si vous suivez bien. L'alignement des petites bosses, votre poche va se
aimant se coudre toute seule et va s'aligner tout seul automatiquement selon les mailles. Et en plus de ça, ça fait une couture, pardon, vraiment pratiquement invisible. Donc je vais continuer toujours. Je remonte un peu quand même pour que vous puissiez mieux voir dans la partie poche, dans la partie gilet, dans la partie poche, dans la partie gilet, dans la partie poche, et ici une dernière fois dans la partie gilet. Ensuite, pour le bas ici, juste ici, on va faire la même chose. Donc, on se repère bien. Vous voyez ici, j'ai fait un, une, deux, trois, quatrième. Donc, une, deux, trois, quatrième. Donc, je sais qu'il faut que je viens coudre dans les bosses ici de ma quatrième barre. Vous allez voir, c'est vraiment très facile également à faire. Vous allez piquer dans la bosse du haut également de votre barre de point mousse. Et ensuite, vous allez piquer. Là, on voit bien toutes les petites mailles de montage. Eh bien, vous allez piquer tout simplement dans les mailles du montage. Je vais dans la bosse du haut juste à côté. Donc, n'hésitez pas à écarter un petit peu. Je pique. Je pique dans la bosse du haut. Partie poche. Dans la bosse du haut, niveau corps du gilet, pardon, et dans la bosse du haut de ma poche. Et on fait ça tout le long. Vous voyez, c'est vraiment super facile à faire. Donc là, on continue jusqu'au bout. Dans la partie gilet. Dans la partie poche. Dans la partie gilet. Et une dernière dans la partie poche. Et maintenant, pour remonter ici le long, on fait pareil que pour le côté ici. Donc, on va piquer dans la bosse du haut qui se trouve juste à côté et on va piquer dans la bosse ici, dans la partie poche. On va le rendre juste au-dessus, hop, la bosse du haut, la bosse de la poche, la bosse du haut, la bosse de la poche. Vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment super facile à coudre. Donc, je vais continuer ma petite couture ici qui me reste. Ensuite, vous allez faire un petit nœud en piquant juste au bord. Vous repassez le fil dans la couture. Ce fil ici, pareil, vous allez le repasser dans la couture. Vous coupez les fils qui dépassent et vous aurez terminé les poches de votre gilet. Et voilà, le petit paletot est maintenant terminé. Donc, j'essaye de montrer de plus près les poches, voyez. Voilà. Donc là, vous avez ensuite les manches raglan. De toute façon, je vous mettrai des photos. On verra peut-être un peu mieux sur les photos, parce que là, la caméra, la couleur, elle ne rend pas exactement comme elle est en réalité. Et là, ensuite, vous avez la capuche. Et j'ai rajouté sur la capuche un petit pompon qui est de la même couleur que les boutons. Pour faire un petit rappel. Et en même temps, je trouve que c'est super joli. J'en ai vu un petit peu sur internet des paletots avec des petits pompons comme ça en fausse fourrure au niveau de la capuche. Et je trouvais ça super mignon. Donc, j'ai décidé d'en rajouter un. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment super joli, super doux,
vraiment bien épais. Le fait qu'on l'a tricoté avec des aiguilles 7 mm, pardon, c'est vraiment super agréable. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!